Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Avec ses airs de colisée, on peut dire que l'Olympico est un stade à l'image de la ville de Rome. Et maintenant, l'hymne national de l'Angleterre. Pendant ce premier hymne, écoutons le second. D'après nos informations, l'entraîneur aurait donc aligné un 4-3-3. L'important, ça va être les deux attaquants excentrés. C'est une formation très flexible qui peut passer du 4-3-3 au 4-5-1 à la perte du ballon, avec les deux ailiers qui descendent pour défendre. Alors c'est sûr, il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils fassent des efforts, mais c'est très efficace, notamment pour déborder les centrés. Voilà, on y est. Début de la rencontre. L'Ukraine qui cherche l'étincelle. Zinchenko. Il tire. Et le cadre se dérobe largement. Oh, que c'est dur. C'était une occasion en or. Chaud. Sterling. Quelle passe. C'est bien, la passe à 10. Il faut... Sterling. C'est dégagé, très loin. Stepanenko. C'est joué long. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Chaud. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur, c'est bien donné. Il était dessus, mais ça n'ira pas plus loin. La passe dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il a stoppé l'attaque adverse. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long, attention. Allez jusqu'au bout. S'il le trouve... La frappe. Ah, c'était bien joué, la passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement. Chaud. Sterling.
Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. Oui, les deux équipes font preuve de patience. Oh, la frappe ! Au but pour l'Angleterre ! Quelle intelligence dans la finition ! Bien, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Stepanenko. L'Ukraine qui cherche l'ouverture. Sterling. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Kane ! Oh, la main ferme ! Oh, le gardien est là, la classe ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Premier corner dans cette rencontre. Il met la tête! Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Yarmolenko. Jolie accélération sur l'aile droite. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Et ce ballon devant le but. Le bon ballon. Voici Yarmolenko. Attention! Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Kane. Stepanenko. Je n'ai pas compté les centres, Darren, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de volée, ça peut vite faire mal. C'est le moment de centrer. C'est un bon ballon. Oh, l'inspiration ! Ah, dommage, ça ne passe pas loin. Quelle détente ! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Eh ben, dis donc, c'était chaud. Chaud, chaud, qui cherche la profondeur. Foden. Chaud. Ça sent la frappe. Zinchenko. Il tente de la jouer dans l'espace. Maintenant, le centre. Oh, voici Kane.
C'est joué dans la profondeur. Kane. Dans la profondeur. Kane. Oh, ça peut aller au bout. Yarmolenko. Cette attaque n'a pas pu se développer. C'est joué long. La bonne passe. L'Angleterre mène toujours au score. Il n'empêche la pause. Ils obtiennent un coup franc. Yarmolenko, la tentative. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Il relance côté droit. Il la remet. Zinchenko. Et c'est directement récupéré. Un long ballon vers l'avant. L'arbitre signale une faute. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. En retrait. Il va frapper. Grosse occasion. La frappe, attention. Une parade magnifique. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. On en restera là pour cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Foden. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Frappe ! Oh oui ! Quelle est importante cette égalisation ! Ça c'est du jeu collectif, il passe de défense en attaque à 100 à l'heure, et au but, il y a but ! Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Chaud. Oh, Sterling. Il peut y aller. Le bon dégagement. Il rejoue derrière lui. Il ne se pose pas de questions. Il joue en profondeur. Il tentait d'écarter, mais le ballon est perdu. Stones. C'est
Sterling. C'est joué dans l'espace. Bien défendu, c'était chaud. Ça joue long vers l'avant. Et il perd l'équilibre. Il concède un coup franc. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Foden. Ce match a de nouveau changé de visage depuis ce but au retour des vestiaires. Là, il tente sa chance. Et ça ne passe toujours pas. Ça ne le sourit pas pour le moment, mais c'est bien quand même. Il se procure des occasions, c'est le plus important. Bon, maintenant, faut qu'il marque. De la tête ! Repoussé par le poteau. Ça passe à côté d'un rien. C'est le poteau qui repousse, il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Il décide d'allonger le jeu. Et 15 minutes dans la seconde période. Il envoie le ballon dans l'axe. Quelle inspiration! Ça passera sur le côté. C'est joué long. Dans le dos de la défense. Allez, tout seul! Il tire! Au but pour l'Angleterre! Il repasse devant. En un éclair, ce ballon excentré devient un contre-assassin. Quelle vitesse d'exécution! Les voilà avec un petit but d'avance. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Zinchenko. Bonne interception, il y avait danger. Zinchenko. Bien servi. Foden. Pas assez précise cette passe. Touche. Kane qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. C'est bien normal. Sterling. Dégagement. Attention au centre. Oui, encore une occasion manquée. Ils étaient quatre devant le but. Et malheureusement, ça ne donne rien. Dans la profondeur. Le centre peut frapper là. La transversale. Oh, c'était plein d'audace. Très jolie bicyclette, c'était sans doute la meilleure option pour lui, mais c'est jamais facile à réaliser.
Mings. Chaud. Ça bouge, côté gauche. Va-t-il en profiter? Ça ne passera pas. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Ça joue à gauche. Zinchenko. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Stepanenko. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Ça joue long. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. La faute est sifflée. Carton jaune, oui, c'est logique. Il y va tout seul. Le bon dribble. Il progresse encore. Oh, la grosse occasion! Il choisit de centrer. Oh, c'est chaud. Oh, l'occasion. Quelle occasion, attention! Oui, oui, il était hors jeu. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. L'Angleterre qui procède à un autre changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Dégagement du gardien. Sancho maintenant. Il allonge le jeu. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Il cherche la profondeur. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Il a trébuché sur cette intervention. C'est vraiment dommage, il manque toujours un petit quelque chose. C'est bien fait ça. Ça joue long vers l'avant. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Sancho maintenant. Oh, voici Kane. Pour Chilwell. C'est joué long, c'est dangereux. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football? Tout cela, on l'a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus. Même si à l'arrivée, il n'y a qu'un petit but d'écart pour faire la différence.